Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les prix des prochains véhicules de la mise à jour GTA Online, le contrat. Ça vient de fuiter, c'est parti! Et oui, c'est sur le compte Twitter de GTA Base et bien que les prix viennent simplement de fuiter. Après le leak des noms, des photos que vous avez eu hier, et bien maintenant, les prix, et il y en a, ça fait mal aux fesses. Enfin bref, bon visionnage à vous. Concernant le dernier véhicule, le Yuga, aucune information dessus. Il a l'air d'être un véhicule caché, peut-être à gagner, à remporter ou à débloquer simplement. En tout cas, il n'a pas l'air d'être à vendre. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, qu'en pensez-vous eh bien, de ces véhicules, de ces prix? Qu'allez-vous prendre ou ne pas prendre? Bon, j'avoue que la Shinobi et la River coûtent extrêmement cher. On est d'accord? J'ai entendu des rumeurs autour de la River comme quoi qu'elle serait offerte si on finit l'émission de Dr. Dre, ce genre de choses. À voir, je vous tiendrai bien évidemment au courant dès que je les aurai finies. Actuellement, c'est compliqué parce que les sessions sont pleines. C'est en session publique, je rappelle. Et les sessions sont complètement pleines. Impossible de se mettre PDG, c'est un petit peu la galère. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le partage pour que tout le monde sache les prix des prochains véhicules. Le like qui me fera extrêmement plaisir, qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Moi, je vous laisse, ciao tout le monde. Et puis, portez-vous bien. Thank you.